bien salut tout le monde, c'est MrBBoy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va de mieux en mieux, bon toujours mon otite qui m'empêche évidemment de dormir et qui me fait un désastre au niveau de mon crâne, mais mon angine commence à partir, j'ai toujours la sensation de nez bouché, voilà pourquoi ma voix c'est pas encore ça, mais j'ai beaucoup moins mal, pour être très honnête avec vous, le record de l'épisode 12 était un véritable calvaire, je vomissais dès que je parlais limite, donc j'ai coupé énormément de passages à blanc ou de passages de tout, mais là ça va beaucoup mieux, quoi qu'il en soit, installez-vous confortablement, on se retrouve pour une bonne demi-heure ensemble et on va d'office commencer par changer de tenue. Qu'est-ce que c'est? Spider-Punk, mais quelle horreur! C'est un truc funéralesque, qu'est-ce qu'on va faire? Je prendrai bien celle-ci. Je prendrais bien le costume négatif qui m'a l'air vraiment pas mal. Synchronise les nanoparticules du maillage pour libérer une puissante onde d'énergie négative. Ça me paraît pas mal, on va essayer par la même occasion le super pouvoir. Les gadgets, vous inquiétez pas, on va les faire évoluer un petit peu plus tard. Et là, on va surtout passer aux compétences étant donné que j'ai tout de même 7 points à attribuer. Allez, tisseur de toile! Alors, maintenez triangle et rond et appuyez sur L dans une direction pour réaliser des figures aérienne, très bien, ça je vais être très honnête avec vous, j'y penserai peut-être pas, mais je le prends pour le style parce qu'on peut faire franchement des trucs très sympas. Les attaques aériennes infligent plus de dégâts et génèrent plus de concentration, ça me paraît pas mal non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Récupération rapide, appuyez sur croix pendant une roulade consécutive à un atterrissage pour repartir dans les airs, ça par contre, ça je le fais très souvent, on va le faire. Qu'est-ce qu'on a là? Maintenez triangle en étant dans les airs pour attirer vos ennemis vers vous et utiliser vos tactiques de combat aérien. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a? Saut chargé. Ça, oh. Oh ça c'est tellement stylé par contre en vrai. Oh ça c'est tellement stylé. On peut pas l'annuler ça? Ok. J'ai souvenir que sur PS2 il y avait un truc à peu près similaire. Appuyez sur carré et maintenez triangle pour saisir un ennemi et le projeter. J'y penserai peut-être pas, dernière chance. Ralentis le temps avant de recevoir un coup fatal pour vous donner une dernière chance. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et là, revanche. Ok, coûte trop cher pour le moment. Boost de combo, les combos élevés génèrent de la concentration plus rapidement. Désolé, j'ai du mal à lire. Apparemment, le cerveau n'est pas connecté à 100%. Et les éliminations silencieuses génèrent beaucoup plus de concentration. Lorsque vous projetez un ennemi, appuyez sur triangle pour continuer à le faire tourner. Ouais, je trouve pas ça ouf. Maintenez triangle pour arracher les armes légères. Ça, par contre, je trouve ça pas mal. Et là, maintenez triangle pour arracher les armes lourdes. On le prendra à la fin de l'épisode. Concernant notre costume, bah, c'est le costume Spider-Man négatif. Donc, il est pas mal, voilà, il est pas mal, il y a une sorte de filtre, hein. On voit que la lumière bouge continuellement sur le costume. Il est pas dégueu, on va voir ce que ça va donner en cinématique, ça peut être pas mal. Mais là, direction le repas avec Enji. Peter, tu vas jamais vouloir me croire. Tu sais l'adresse que tu m'as donnée? J'y suis allée. Oh, MJ. Je sais, mais attends. Qu'est-ce que c'est? Écoute. Bah attendez, peut-être que nous aussi on aimerait écouter, non? Enfin, ça serait peut-être pas mal. Non, je sais pas. Non, ils veulent pas qu'on écoute. D'accord, très bien. Un petit suspense, plutôt dans la journée. Ah! Elle va raconter sa journée, très très bien. Il porte des armes à feu. C'est quoi cet endroit? Non mais genre, elle a eu les balls d'aller dans un entrepôt avec des mecs surarmés, des barres. Il pourrait y avoir un élément en rapport avec lui. Il faut que j'entre dans ce bureau. C'est une machine de ouf. Hein? C'était quoi? Encore un qui est né avec deux mains gauches. Je suis sûr que c'est Happy. Vous pouvez pousser certains objets. J'ai failli tuer un rat. Je dois virer ce type de mon chemin. D'accord. Martin paye vraiment le prix. Ouais, on fabrique cette bête de guerre pour lui, il finance la... Ok, on est passé, aucun souci pour le moment. Qu'est-ce que c'est? Énorme lui! Si le patron voit ça, il va enrager. Il est juste énorme! T'as déjà testé? C'est pour lui tout ça? Que des échantillons. Le patron passe encore sur le mélange. Et je te jure, sans... Attention!
Ok. Ok. Je pense que là on peut faire. J'ai entendu un truc. J'ai vu un truc. Je vais voir ce que c'est. Tiens. Qu'est-ce qui se passe là? Alors Bolos? Tout en douceur. Ok, on va éviter de faire tomber. Oh, j'ai eu très très chaud en vrai. D'engin a besoin de pneus aussi gros. Elle est où? Oh, je suis sûr que je l'avais laissé là. Ok, ils vont faire des tanks, hein. Un pneu comme ça, frérot. Oh, ça c'est au minima. Ça c'est du 40 pouces, hein. Non, peut-être même bien plus, hein. Quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de pouces. Quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part? Je vais te la montrer, la clé de 12. Eh, qu'est-ce que c'était? Depuis quand on a une nouvelle scie? Bon, les gars. Je comprends rien. La vie de ma mère. Oh, des barres, je sais pas du tout par où passer. C'était terrible. On est reparti. Là, je suis concentré, je suis focus. Elle est aucun où souci. Je suis sûr que je l'avais laissé là. Très bien. Énormément de monde, c'est un délire. Lui, il va falloir tourner autour. Yo, qui est là? Hey, quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part? Je vais te la montrer, la clé de 12, frérot. Ok, c'est là que j'avais stressé, hein. C'est là que j'avais paniqué. J'ai entendu un truc. Depuis quand on a une nouvelle scie? Ok. Aucun souci. Enfin, aucun souci. Heureusement que j'ai plusieurs vies, apparemment. Le bureau doit être à ma droite. Il faut que j'avance. Oh, bah, non, mais les gars, non, mais personne ne va griller. C'est vraiment abusé. Personne ne va griller MJ. Traverser les entrepôts au Kamzer. C'est pour protéger la cam. Même The Last of Us à côté, c'était à peu près 30 milliards de fois plus crédible. On te demande pas ton avis. Au boulot. Ces bidons semblent importants. Alchemax. Ok. Pourquoi ça me dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ça? Patron, guerrier, libérateur. Tombstone. C'est vrai, Eric. Il verra rien. Parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai. J'ai dit que j'arrangerais ça. On a dans le ventre, Rick. Voyons si ça va durer. J'ai besoin d'un nouveau soudeur. Je ne peux plus reculer. Ok. Je dois entrer dans ce bureau. Il lui a littéralement éclaté la gueule, hein, on va pas se mentir. On va passer par ici. Ça, si c'est là, c'est que c'est fait pour être bougé. Allez, dépêche-toi. Y'a quelqu'un? Hop, ça dégage. Ça dégage totalement. Des plans. Un VBT. Ok. C'est ça qu'ils construisent pour Lee. Mais pourquoi ils auraient besoin d'un véhicule blindé? Et voilà. Qu'est-ce des qu'on a? Des balises GPS. Pourquoi Tombstone en aurait besoin? Ok, les gars. On s'arrache. Prenez le matos dans mon bureau. C'est l'heure de partir. Bon, c'est là que je te dis de jamais recommencer, mais je sais que tu m'écouteras pas, alors... Tiens. Emporte ça la prochaine fois. Cool. Merci. Tu le sais que Tombstone est fou et presque invincible, pas vrai? Tout le monde a un point faible. Le mien, c'est... Ce que t'es en train de préparer. Ça sent trop bon. Poulet au curry. Y'a plus qu'à faire mijoter. Pas
pas de boulettes, j'espère. Tu me laisseras jamais oublier ça, pas vrai? Non. La grande débâcle des boulettes. Quand je pense qu'ils ont évacué tout l'immeuble. Ouais, et en janvier en plus. Des voisins m'ont détesté. Ouais, ils étaient soulagés quand on a rompu. Ouais. Bon. Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee. Ouais. On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn. Ouais, mais... pourquoi? Je sais pas encore. Mais apparemment, il prépare un truc avec le souffle du diable. On va savoir ce que c'est. Ouais. Je ferai des recherches. Dis, je me demandais... si on faisait équipe. Tu veux être mon acolyte? Genre, la fille araignée? La femme araignée, la femme. Pas une acolyte. Une partenaire. Oh. Oh, pas encore! Ah. Hey, c'est ton détecteur de crime. Effraction chez un particulier. Charles Standish. Ça me dit quelque chose. Oh, le comptable d'Oscorp. Attends, tu crois que ça a un rapport avec Lee? Oh, des barres. Il m'a fait flipper. Désolé de partir comme ça. Tu vas laisser tes fringues par terre, dans la cuisine? Elle se pose pas de questions. Il brille, y a aucun problème. Plus rien ne m'étonne, plus rien n'étonne personne. Là, pose ça sur le canapé. Bon, on se voit plus tard. Ouais. Des barres. Ah bah personne se pose de questions, tout va bien. Oui, bah écoutez, je brille les gars. Je brille dans la nuit littéralement. Allez, on est parti. Et en plus, c'est le soir, donc ça peut être très sympa ce costume. Allez, on va où? J'ai gagné de l'XP. Oh oui, j'ai gagné de l'XP. J'ai même gagné un point de compétence. Niveau supérieur. Salut, c'est moi. Niveau 19. Il est dingue, ton Curie. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Charles Standish? Voyons un peu. Directeur administratif et financier chez Oscorp. Célibataire, collectionneur d'art. Et s'il a un penthouse dans cet immeuble, il doit être vraiment riche. Lee le cherche. C'est forcément lié au souffle du diable. Je vais faire une recherche complète sur tout ce fichier. Préviens-moi dès que tu trouves un truc. Je sens que Lee prépare quelque chose d'encore pire que l'attaque contre l'hôtel de ville. Du coup, on est partenaire ou pas? C'est un peu l'impression que ça donne. Partenaire? Ça rend pas mal. Ok. Alors, à plus, partenaire. Fais pas d'erreur, Peter. Va pas la mettre dans la merde. Ça, je le sens pas. Hein. Je le sens clairement pas. Alors, ne bougez pas, parce qu'on a quelque chose. Par contre, ce que je voulais voir, c'était une compétence impérative à débloquer. C'était faire tomber les armes lourdes, parce que ça, très clairement, c'est quand même le feu. Et là, maintenez triangle pour lancer les armes volées sur vos ennemis. Ça peut être pas mal non plus. On verra si on le débloque pas prochainement. Ok. Alors, mission principale. Vous savez quoi? On a eu des petites cinématiques, donc on va faire la mission de notre ami. Hop. Honnêtement, Triple J, je pensais que vous exagériez les dangers qui menaçaient la ville. Mais depuis l'explosion à l'hôtel de ville, je dois bien admettre que... Encore une caméra. Sûrement Black Cat. Black Cat! Tu es jaloux que j'en visite un autre homme? J'espère bien. Mais tu sais que les bad boys, c'est pas mon truc. Ça, c'est pour mon album personnel, hein. Ça regarde personne. Ok. C'est... Attendez, c'est... Je dois trouver un chat. Oh. Ah ouais, il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. Hein. C'est forcément une porte ou pas? Des barres, mais c'est un Où est Charlie, le bordel? Ok. Oh, c'est la merde, hein. Non, mais attendez, il y a forcément un indice, quelque chose, non? On prend tout. C'est chaud, les gars, hein. Ok, il y a tellement de détails. Bah, c'est là qu'on se rend compte que le jeu est fondant, croquant. Mais comment... Ah, yes. Ah, ah. Pourquoi tu fais ça, Felicia? Tu sais que je vais finir par t'attraper. Allez, planque terminée. Oh, c'est très rapide en plus. D'accord. Très très bien. Bah, direction notre quête. C'est très rapide.
Il n'y en a que 12. J'ai envie de vous dire... on va tous les faire, hein, dès qu'on passe dessus. Hein. Notre mission est directe à terre, et là, on a un labo de recherche. Allez, vu que c'était très très rapide, on va le faire et on fera notre mission. De toute façon, il y a un truc que je sens pas, je vais vous le dire très rapidement, vous inquiétez pas. Mais la mission, là, quand c'est à terre comme ça, ça sent rarement bon. Je pense qu'il va falloir cavaler un mec en pleine rue. Ça risque d'être terrible. Allez, c'est parti, on va le faire, ça va nous offrir deux nouvelles médailles, parce que mine de rien, on n'a pas fait de quête secondaire depuis bien longtemps. Des autres. On ne cache rien chez Oscorp, même l'espace serveur. Bref, assure-toi que tout fonctionne correctement, sinon les autres stations ne serviront à rien. L'espace sur le serveur est insuffisant. Il est proche de la surcharge. Ça va déclencher le formatage et toutes les données d'Harry seront perdues. Je dois empêcher ça. Une minute. L'ESU a un serveur de secours qu'il n'utilise jamais. Il pourra se charger de l'excès de données. Mais je vais devoir réaligner les paraboles pour établir une connexion. Et vite. Il sait beaucoup de choses. Le récepteur actif est facile à trouver. J'ai qu'à grimper là-haut. Bon, je dois trouver un autre lien dans le réseau. Okay. Voilà, j'ai plus qu'à continuer comme ça. Très très bien, c'est comme ça qu'on relie des paraboles maintenant. Très bien. Qu'est-ce qui prend tant de place sur les serveurs d'Arby? Ok, j'ai du temps. On dirait un séquençage ADN, mais ça dépasse complètement le champ d'action des stations de recherche. On est bon. Très très bien, oh, c'est pas difficile. C'est plutôt, je vais pas dire que je prends mon pied, mais ça va quoi aussi. C'est pas fou. Entre toi, tant que ça me fait pas traverser toute la ville. Si tout était facile. Ça, mais... ça va en vrai. Yes. On fait plus jamais ça. Hein. Hop. J'y suis presque. Alors bougez pas les gars, là je prends des backdoors, hein. Je connais bien. Là je triangule la position. C'est un classique, hein, c'est un classique dans mon métier. Ouais. Aucun souci aussi. Et là, il n'en reste plus qu'un ou deux, je pense. Je devrais voir le serveur de l'ESU maintenant. Ah, on a une quête secondaire juste en dessous. Et ben voilà, il est là le serveur. Je l'ai. Je vais pouvoir lancer le transfert de données. Si je me dépêche. Allez, go. Hop, hop, voilà. Ça, c'est quand on n'a pas la maîtrise totale. Allez, aucun souci. Oh, damn, Daniel. Il y a du souci. Ok. Bougez pas. On va faire... on va user de stratégie. Ça risque d'être incroyable. Très bien. Donc ça... Ça, c'est voyons quoi ça. Waouh. Là, je ne comprends pas. Ok. C'est chaud de ouf. Ah, je peux les tourner. Oh, les malins. Malin, le lynx. Ok, ça, je pense. Ça m'a l'air bon. Il m'a dit que ça a l'air bon pour ça. J'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Ok, c'est pas ça. Forcément, ça ne peut pas être ça. Non. Ah, j'ai une idée. Voilà. Voyons ça. On est sur du moins 3. Très très bien. Là, on va partir sur du moins 2. Donc on est sur du moins 5. Jusqu'ici, j'espère que tout le monde suit. On repart sur du plus 4. Non, il a pas l'air satisfait. Il a pas l'air satisfait. C'est pas mal. Ça m'a l'air bon. Voilà. Comme ceci. Ok. Donc, je pense que c'est exactement... Je pense rien du tout pour l'instant. Pop. Bougez pas. Voyons ça. On va mettre ça comme ça. Ça y est, ça me paraît pas mal là, non?
Bougez pas. Bien. Bah oui. Ok. Flèche. J'adore dire le mot flèche. Pas de flèche. Donc je pense que clairement c'est ça. Ensuite c'est... Mais c'est terrible. Il me faut celui-ci, non? Voilà. Ça m'a l'air bon. Il me faut ça. Clairement là. J'ai compris. J'ai totalement compris. Bien. Il me faut ça. Ça me paraît pas mal. Comme ça, je triangule totalement les positions. Annexe, bien évidemment, au bonheur. Petit réglage s'impose. Et ben voilà, mon pote. Quoi? Tension visible, il me faut du plus de... Ok, c'est pas grave. Pas de panique. Ça m'a l'air bon. Plus 4. Et plus 3. Aucun problème. Allez! Ça c'est fait! De nouveaux jetons! Ça marche! Tout va bien! Et on va pouvoir continuer notre aventure, notre histoire principale. Je sais que vous êtes impatients. Mais on aura le plaisir de déverrouiller d'autres costumes et ça va permettre d'attendre jusqu'à ce que Norman accorde plus d'espace à Harry sur les serveurs. Il ne regrettera pas quand il verra sur quoi travaillent les stations. Eh bien voilà, monsieur. Aucun souci, mesdames et messieurs, évidemment, n'oublie personne. On va passer par où? Par où? Il est où le bonheur, les gars? Ah, on a encore un labo de recherche. Je sais pas combien il y a de labo de recherche, j'ai oublié de regarder là. Mais en tout cas, il y en a un autre juste à côté. Direction notre aventure principale, on va pas faire que ça. Même si, hop, on a déjà bien avancé. On retourne, on a fait 600 mètres mine de rien, ça va vite. Hein. Le bonheur passe par les choses très très simples. 600 mètres, ça paraît loin. Mais c'est que dalle. Ce jeu est vraiment ouf. Vraiment, ça me fait plaisir de retourner dessus dans une forme un peu plus adéquate que celle de la dernière fois. Ok, c'est pas ici. On dirait que les policiers ont besoin d'un coup de main. Ok, très très bien. Allez hop, oh bah lui, c'est terminé. Hein. Y'a plus personne! Ok! Bougez pas, on va faire ça. Hop, lui, il est collé là-haut. Hop, une petite plaque d'égout, ça c'est la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sens de l'araignée, qu'est-ce qu'il dit? Hop, cadeau! Eh, ça s'arrête plus, hein! Ça s'arrête plus, bordel! Ok, oui, bon. Ça, petite prise de catch que j'ai appris chez les plus grands. Très très stylé, par la même occasion. On part sur une coupole pour se remettre sur le droit chemin. BAM! Et ouais, mon pote! Ta propre arme t'a trahi! Ok, bonne chose de faite. L'araignée et la gouttière. Oh. Ça sent pas bon. Il doit y en avoir d'autres à l'intérieur. Bougez pas d'ici. Ouais. C'est... Ça fait flipper, non? Très bien. On va voir un petit peu ce qui reste là-dedans. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue. Quelqu'un était pressé. Spider-Man! Ok. Fouiller le garage. Chose qu'on va faire tranquillement. Vous êtes blessé? Non, ça va. Mais vous devez retrouver Monsieur Standish, et vite. Ces types masqués l'ont enlevé et l'ont forcé à les mener chez lui, dans son penthouse, au dernier étage. Ok, bougez. Yo les gars. Hop, ça dégage. Eh bah, content de vous voir. Ça dégage. Je trouve plus ma caisse. J'aurais juré qu'elle était garée à cet étage. Voilà, on va tous les mettre KO comme ça tranquillement. Aïe! C'est pas très gentil, les gars. Moi aussi, je suis négatif, les potes.
Oh, bien joué. T'as été le boss. Je rigole, c'était un prank. T'es nul à chien. Et ben voilà. Bonne chose de faite. Hop, c'est pas terminé. Hop, petite esquive latérale gauche à triple en pleurotactique. Hop, c'est pas grave. Hop, aucun souci. Ça, c'est pas un problème non plus. Oh là là, le spectacle! Bon, ça aussi, j'ai appris des plus grands. Et ben voilà! Non, mais ça ne s'arrête jamais! Aucun problème non plus, très bien. On continue de descendre. La vache! Ok. Hop, ça dégage. Oh quoi? Oh putain! Je vais vraiment mourir. Oh, ça va être chaud. Oh, je vais mourir de Jésus. Waouh! C'est incroyable tout ce qui se passe! J'ai pu redire incroyable! Ok. C'est bon. Aucun problème. C'était chaud, les gars! Ok, qu'est-ce qui va sortir de là? Ok, un mec un peu plus baraque que les autres, comment ça me gêne pas. Vous bossez là, vous aussi? Ah bah, il plaisante pas avec le gardiennage dans ce bâtiment! Hop. Je vais te mettre ta part. Voilà. Il est vraiment mort déjà? Oh, la déception. Oh non, il était pas ouf, clairement. Il était clairement pas ouf. Hop, toi, une petite palette, c'est cadeau. Et bien voilà. Toi, oh, c'est bon, ça dégage. C'est un pied-bouche. J'adore terminer sur les pieds-bouches, c'est ma spécialité. Mais raté. Ok. Pas la peine de prendre l'ascenseur, ils savent que je suis là. Mais je peux éventuellement me glisser par sa cage. Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse par là. Hésitez pas, évidemment. Allez, c'est en bas, frérot. C'est sympa parce qu'il les tue pas, hein, tu vois ce que je veux dire. Hésitez pas à juger un peu ce costume. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop, toi, tu dégages. Bah, ils vont mourir, en fait. Enfin, l'ascenseur va broyer les gars, hein. C'est quand même pas très sympa comme mort, regardez. À être plaqué comme ça, moi qui rentre son ventre, l'ascenseur le... Ah ouais, non mais l'ascenseur, il lui éclate la gueule, hein. Ouais, mais... Un peu. Pas de soucis. Oh, le délire. Restons dans la pénombre. Ok. Lui, on va le faire easy. Hop, tiens, va te faire broyer par un ascenseur. Ah, putain. Attends, c'est quoi ces projecteurs? Il y a des projecteurs chelous un peu. Vous les voyez ou pas? Sur le mur, ça vient d'où? C'est très bizarre. J'ai très peur. Regardez là, le projecteur. Putain, ça vient d'ascenseur en face, mais genre, il vérifie ici, frérot. Les gars! Aucun souci jusqu'ici non plus. Oh. Hop, toi tu vas te faire broyer. Hein. Désolé mon pote. Tu es l'élu. Voilà, 12. Et ben voilà. Encore une phase? Eh ben oui mon pote. Tu kiffes les ascenseurs, on va t'en donner. Non mais attends, quoi? Sans blague. C'est quoi ce délire? Non mais les gars, vous en faites trop! On dirait les jeux de Mega Drive à l'ancienne, cousin! Mais... Aïe! C'est pas bon, ils sont ça. Totalement timbrés, ils sont totalement timbrés, les mecs! Ok. Jusqu'ici, pas de soucis. N'importe quoi. Y'a quoi la prochaine fois? Des tanks? Des tanks qui tombent d'ascenseur? Très bien. Voilà Standish. Très bien. Et maintenant? Entrez le mot de passe. Ah. Bon, vu qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 jours... Il a l'air à cran. Je devrais peut-être abréger ses souffrances. Voilà. Hop. Je vais faire des ruches, hein.
La vidéo va durer un peu plus longtemps, hein. Pour votre plaisir, c'est normal, les gars. J'étais dans la maladie. J'ai rien pu faire pendant 2-3 jours. Donc on rattrape calmement. Eh, jusqu'ici, aucun souci en vrai. Mes ondes négatives sont prêtes. Hein. Je le sais, les gars, hein, que j'ai mes coups. Vous inquiétez pas. Hein. Je les utilise des fois. C'est juste que là, bah, j'en ai pas besoin en fait. Je suis juste le boss. Et la lumière fut plus très drôle. Clairement, je suis désolé d'être aussi bon. Oh la vache! Ok. On va se calmer les frérots, hein. Viens par ici, toi. Voilà. Désolé, hein. Ok. Toi, n'importe quoi. Le jour où un putain d'ennemi va trouver la force de lever sa tête dans ce jeu, il va pas être prêt, c'est moi qui vous le dis, hein. Viens ici, toi. Tu parles beaucoup, je trouve. N'importe quoi. Oh. Ok. Non mais en plus il encule toutes les chaises. N'importe quoi. Hein. Mais j'ai enculé tout le monde en fait. Regardez. Ils sont beaux, hein. Attends, il en reste un. Je le fais, hein. Allez, allez, accroche-toi s'il te plaît là-haut. Voilà, merci. Il en reste juste un, je le fais vraiment pour le plaisir. Et voilà. Il n'y a plus personne normalement. C'était extrêmement drôle. J'ai pris un maximum de plaisir. Oh putain, il en reste un. Oh, c'est jamais fini ces choses. Et ben voilà. Ok, c'est bon. J'espère que Standish va bien. Bah alors, mon frérot. Forcément. Forcément. Oh, c'était stylé, ça. Première fois qu'il le fait. Ok. Hop, je te monte en... Je vais te monter en l'air. Et ben, on va le faire quand même. Waouh, j'ai utilisé mon onde. Alors, on se sent négatif ou pas? Du négatif, très négatif, les gars. Ouais, moi, ça fait plus. Et voilà, mon pote. Essayons encore une fois. Bon, on est reparti. Désolé, frérot, je t'ai fait attendre, c'est pour le spectacle. Hein. Tu comprendras. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste des documents financiers. Sur le souffle du diable? Qui vous a parlé de ça? Pourquoi ils veulent s'en emparer? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié les fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui lui? Je l'ignore totalement. Mais c'est vous! Allez, allez! Non, ça se serait! Ok, mon frérot! C'est parti, je vais m'occuper de toi. Aucun souci. Essayez de tomber moins vite. Toujours le sens de l'humour. Même dans les situations complicadas. Je vous tiens. Tout va bien? Oui, je crois. Bon, cool. On voit tellement bien Spider-Man dans cette tenue, pas mal. Dans cette scène. Alors qu'en rouge et bleu, ça aurait été compliqué. On l'aurait beaucoup moins vu et là, il ressort super bien. C'est très très bien tombé, ce petit changement de costume. Là où sous la pluie, ça aurait été peut-être un peu plus gênant dans l'épisode précédent. En tout cas, incroyable tout ce qui s'est passé là. On va s'arrêter là.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on est reparti pour une vidéo tous les deux jours. Maintenant que j'ai récupéré un petit peu de santé, à très bientôt tout le monde. Le problème, c'est que Standish n'a pas eu le temps de me dire grand-chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont ? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. Une piste ? Vous parlez comme un flic ? Vous voulez dire... l'inspecteur Spider ? Yori ? Oh, c'est pas sympa. Peter, qu'est-ce qui s'est passé avec Standish ? Il est en sécurité. Ok, très bien. Et les démons ? Ils recherchaient un nom. T'as de quoi noter ? Ouais, vas-y. Docteur Isaac Delany. Ok. C'est qui ? Et pourquoi lui ? Ah bah j'espérais que tu me le dirais ! Je m'en occupe, ce sera pas trop long. Oh, et avant que j'oublie, t'as zappé le mouchard de Tombstone chez moi. Je te le déposerai au labo du docteur Octavius. Bon, je te dirai ce que je trouve sur Delany.